That's it, Brian? Yes. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mr. Smith, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir le sac de braquage noir. Donc sur GTA Online, donc c'est un glitch super simple à faire. Donc tout le monde peut le réaliser. Il n'y a pas besoin d'avoir des amis. Il n'y a pas besoin d'avoir des amis. Donc pour faire ce glitch, vous devrez tout simplement aller dans un magasin de vêtements. Une fois dans les magasins de vêtements, vous devrez tout simplement aller dans les tenues de braquage négligées. Donc c'est très important. Et une fois dedans, vous prenez tout simplement la tenue Yankton. Donc très important aussi. Donc si vous ne la prenez pas, vous ne pourrez pas faire le glitch et il ne va pas fonctionner avec votre tenue actuelle. Donc une fois que vous avez la tenue Yankton, vous devrez tout simplement attendre une invitation de mission de préparation de braquage. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Donc il ne faut pas attendre un braquage, mais bien une mission de préparation. Donc une fois que vous avez reçu l'invite, vous allez tout simplement l'accepter. Et ensuite, dès que vous allez vous rendre dans l'activité, eh bien, je vais vous dire par la suite quoi faire. Donc en attendant que ça se lance, je vais tout simplement vous dire que, comme vous avez pu le remarquer sur ma chaîne, j'ai changé le nom. Donc avant c'était Mr. Smith 761 et maintenant c'est seulement Mr. Smith. Donc je trouve que ça fait beaucoup plus professionnel, parce que le Mr. Smith 761, ça fait vraiment kikou. Alors c'est pour ça que je l'ai enlevé. Donc j'ai commencé ma chaîne en ayant mis ça, tout simplement parce que voilà. Donc j'ai commencé, j'avais 12 ans, donc fallait que je cherche un nom. Enfin bref, si vous voulez que je fasse une vidéo présentation de chaîne entière, même si j'en ai déjà fait une, mais complètement pourquoi j'ai commencé sur YouTube, en fait une FAQ. Donc si vous voulez que j'en fasse une, je mettais au moins 25 ou 30 likes, ça serait énorme. J'espère vraiment atteindre les 30 likes. Donc si vous voulez avoir une FAQ, c'est maintenant. Donc là, vous voyez que la partie se lance, et quand vous voyez vos personnages, vous devrez tout simplement mettre rond plus croix, donc vraiment très rapidement, donc comme vous l'avez pu le remarquer. Donc quand vous aurez fait ceci, ça va vous prendre beaucoup de temps à vous rendre dans la session. Donc ça peut prendre entre 5 et 10 minutes. Donc moi personnellement, ça a pris plus de 10 minutes à cause de la connexion et tout simplement à cause du glitch. Donc si vous restez beaucoup de temps dans les airs sans respawn et sans avoir le message d'erreur, c'est que le glitch a bien fonctionné. Donc là, comme vous voyez à l'écran. Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse sur ces images, c'était Mr. Smith et je vous dis à la prochaine du monde. Bye bye.